Elles passent le clair de leur temps au marché derrière ces étalages. Ces femmes du quartier Aliodan, dans la commune de Marcory, ne savent pour la plupart ni lire ni écrire. Difficile dans ces conditions de connaître leurs droits et même d'interpréter les lois prises en leur faveur, notamment celles relatives au mariage. Ce que j'ai compris dedans, on dit que le monsieur ne doit plus forcer la femme. Quand c'est une contribution, la femme doit contribuer, le monsieur aussi doit contribuer. Quand le monsieur doit faire quelque chose, il doit dire à la femme d'abord qu'il doit faire ça. Et puis là, nous deux, on va s'unir pour faire. Mais si le monsieur qui derrière la femme pour faire, en tout cas, il porte pantalon, je porte pantalon. Aider ces femmes à comprendre les lois et statuts les concernant et les sortir de la pauvreté, c'est le challenge que veut relever Assoua Akwa Aline. À la tête de l'ONG, du rêve à la réalité, elle organise des séances d'information et de sensibilisation. Nous avons organisé cette conférence-là dans le but de former nos femmes. Parce que nous avons un objectif à atteindre au niveau de l'ONG, c'est de lutter contre la pauvreté. Mais on ne peut pas lutter contre la pauvreté avec des femmes qui sont ignorantes. Une initiative appuyée par la Division des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies qui assure le volet formation. La municipalité de Marcory, quant à elle, apporte son soutien technique et financier.